Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons la Galatie. Cette magnifique Galatie qui s'étend de Galatia et Cappadocia en Arménie, un petit peu en Caucase et en Ponto Caspia. Alors, objectif aujourd'hui, conquérir le Bosphore ou le Ponto Caspia, à voir. Voir les deux? Pourquoi pas, soyons fous. Déjà, on va chasser les rebelles. Hein? Voilà. Les rebelles, on n'aime pas trop. En Vendée, ils sont exécutés. On va commencer par Tanaïs ou Phanagoria? Non, Phanagoria, parce que s'ils descendent sur Phasis... Ça peut être compliqué après. Allez, on met un coup de boost, direction Sirac. Voilà, est-ce que j'ai des constructions à faire? Non, ici, je veux attendre la source minérale. Ok! Qu'est-ce que... Non. Non, j'ai une mauvaise expérience d'une partie. Une partie avec. J'ai joué. Ah purée, comment ça s'appelle? Là, ici, là, les. Les Illyriens, voilà, Illyriens. Où j'avais fait. Non, franchement, j'étais pas mal. Et là, d'un coup. J'étais allié, on va dire. Pacte de non-agression commerciale, accès militaire avec Rome. Et d'un coup, comme ça, Rome a tout rompu. Et bah, attaqué. Et sauf que, bah, disons qu'il était déjà sur mes villes, quoi. Je me dis, oh bah, il est en train de... Il fait un petit détour, quoi. Il est en train de se rendre, je sais pas trop. Non, il se rendait nulle part. Il était déjà rendu à sa destination, pour dire, ouais. Donc, les accès, depuis, j'évite. Voilà, c'est comme les sauvegardes. Faites des sauvegardes régulières. Ce que j'ai eu, et ça m'est pas arrivé souvent, hein. Vraiment, là, pour le coup, j'ai plus de 4000 heures sur le jeu. Et je peux vous dire, c'est la première fois que ça m'est arrivé en 4000 heures, 4100 et des poussières heures. Sauvegarde corrompue, je ne peux plus utiliser mes touches de clavier. Alors, le ZQSD, les trucs comme ça, le F1, le 1, le 2, ça marche à peu près. Même pour les raccourcis, là, le 6, 7, 8, là, ça marche, il n'y a pas de souci. Par contre, le ZQSD, contrôle, impossible. La première fois que ça m'est arrivé, ça dit, oh bah... J'ai presque fini une partie avec la Dacia. Donc la Dacia qui est ici. Oh purée, ah, je m'étais cassé les bonbons là, pour parler poliment. À faire ma partie, alors là d'un coup là, non. Non en fait. Tu vas juste, le jeu m'a dit, tu recommences. Et j'étais en mode, non. Parce que c'est pas les plus fun à faire. Hein. Ils ont des troupes, pas d'originalité dans les troupes. Pareil pour être techno, non c'est vraiment pas cool. Ah zut, il a pris Phasis. Ok, donc on va en Phanagoria. On prend Phanagoria. On rase Phanagoria. Ah! Et on vous découvre en mer! Des Colchides! Et non, pas Phanagoria cette fois. Allez, je vais faire un puits et, une enceinte sacrée ici. Voyons voir qu'est-ce que je peux faire d'autre. Dégâts au navire, parfait. Ici ça se passe comment? Ça se passe très bien, ça se passe très très bien. Après j'irai sur les Roxolans, enfin la City Royale, mais ce sera plus tard. Ça m'arrangerait si Koshid pouvait aller à Petit Capom. Il y a sûrement ce qu'ils vont faire. Vu qu'il reste plus grand monde. Là, Ponte, bon, ils font leur vie. D'ailleurs, pourquoi je m'entends si mal avec Ponte?
On va faire ça. On va faire ça. Je m'entends pas trop mal avec les régions par là. Donc ce que je vais faire en plus, c'est que je vais décaler lui à Mozata. Ah ouais, excuse-moi. Oh là là, buddy. Oh bah les doublettes là. Alors là, je me suis mis dans la merde, c'est trop. Oups, les accès. Peut-être penser à en refaire un jour. Oups. Non mais excusez-moi les gars, ça arrive. Ce sont des l'erreur est humaine. Hein. Si tu pouvais arrêter de me piller toi par contre aussi, ça m'arrangerait. Ah ouais. Ah ouais, il décide vraiment de venir m'attaquer. Mais il se met dans une merde noire. Ah, il s'est... à faire ça, il s'est mis dans une merde noire. Bon, je vais les relâcher parce que j'ai besoin de thunes et j'ai besoin de m'entendre pas trop mal avec le ponte. Juste le temps de défoncer les Colchides. Et ouais. Je vais aller chercher eux là. Voilà. Voilà. Ah, ils sont encore nombreux. Je peux pas aller de suite à Tanais. J'y serais bien allé, mais... je vais pas pouvoir défendre Phanagoria si je vais tout de suite à Tanais. C'est pas de peau. Ok, j'ai encore un peu de bouffe, ça c'est pas trop mal. Je m'entends pas trop mal avec les voisins à part le ponte. Je m'entends pas super bien avec lui, c'est bizarre. Bon, j'ai un pack de non-agression avec ma Nabaté, ça va augmenter un petit peu ma... mon entente avec les autres factions. Comme Nabaté a tapé sur la Séleucide. Et tout le monde a tapé presque sur la Séleucide. Non, non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il bouille là-bas? Colchide. Ah, très bien, attends. Ah, très bien, peut-être pas si bien que ça en fait. Ils sont passés où? Oui. Bah, il est disparu. Bon, c'est pas bien grave. Allez, direction Tanais. Là, je vais pas avoir de rébellion de suite. Ici. On avait dit que c'était revenu agricole. Là, je devrais être tranquille. Je vais le laisser là. Améliorer. Et je vais le laisser là en plus. Là, j'ai du recrutement de bonnes troupes sur cette province. Sur cette région. Ouais, pour l'instant, ouais, ça m'intéresse. Faction rencontrée, Rod. Odricia, ok. Voyons voir, il y a quoi sous les nuages? Ok. Il y a quoi ici? Ok. On va prendre Tanaïs. On va pas faire long feu. Voilà. Résolution mode agressive. Et je sais pas si il reste. Je crois qu'il restait une flotte. Ah bah, il n'y a plus de flotte. Au revoir les Colchides. Allez, réparons tout ça. Ouais, on va faire un peu de bouffe ici, ça mange pas de pain. Là, on a l'air correct en ordre public et je vais aller récupérer Phanagoria. J'ai pas un espion qui traîne. Ah ouais, ah, mais il est là-bas, merde. J'aimerais l'emmener par là.
Les commandes, on est bien. On est bien aussi. Ok. Là, les Cimériens, je sais pas, ils vont tenter sûrement un débarquement sur Ponte. Ça peut m'arranger, hein. Moi, j'envoie mes troupes ensuite débarquer là-bas. Ça peut vraiment m'arranger. Attends, quoi? Oh, j'ai du mal à voir. Ouais, j'ai mal vu. J'ai cru qu'il avait débarqué dans ma ville, en fait. Je me suis dit, bah non. Bah non, en fait. Mais non, non, c'est pas... Ils sont pas débarqués dans la ville, tout va bien. Recherche terminée. Pierre diamant... Oh là. Pierre diamant. Non, perte démon. Oh merde, pierre démon. Ah, je sais plus parler, c'est terrible. J'ai pas des trucs qui... Si... Tout ça là, c'est bien. Non, j'ai pas nécessaire ici. Il meurt pas de faim, hein? Non. Là, il y a quoi? Là, il y a une petite flotte. C'est peut-être pour ça qu'il a fait demi-tour. Oula! Oula! Ouh, il y a Sparte là qui est. Oula! Je voulais voir si je pouvais ouvrir le commerce, mais non, je peux pas ouvrir le commerce. C'est un peu chiant. L'ordre public augmente un peu partout, ça c'est vraiment le bon point. Plus il y a d'ordre public, plus en plus j'aurai de revenus. C'est vraiment excellent. Ouais, d'accord, j'ai pas de traité, ouais, c'est bon avec lui, au cas où. Bon, ça aurait pu m'arriver, quoi, donc je peux éviter de faire des bêtises. Ouais. La culture est en augmentation, c'est bien. Ici aussi, même si ça va stagner. Elle diminue un peu. Alors on est bien là. Là on n'est pas trop mal non plus. Ok. Ok. Ah. Voilà. Faire un bâtiment public. On va faire une hutte de l'apprenti pour augmenter notre taux de recherche. Allez, vas-y mon espion. Le temps que t'arrives, je pense que ce sera trop tard, mais c'est pas grave. Non. Non, non, je peux pas faire de commerce, c'est bien ça le souci. J'ai l'impression qu'il meurt de faim hein, quand même. Hein. Parce que lui, non, il a pas de petite tête de mort, c'est bien ça le problème. I don't know. Ah oui, ah ouais, au sud, ouais, j'avais des voisins. Non, ce que je veux faire aussi, moi là, c'est aller voir si j'ai ce qu'il faut au niveau des descendants. Ouais, ils sont mariés, voilà. Je vais marier un deuxième couple parce que sinon je risque de ne pas avoir assez de généraux terme. Vu qu'ils ont tendance à... Oh, ça va, 70 balais, c'est correct, hein. Putain, pour l'époque. C'est très correct. Allez, cours et cours. Ah ouais? Comme ça.
Mais. Bah, je sais pas quoi dire. Quoi? Alliance défensive, non. Intrus? Waouh, la vache. Comment ça, intrus? Ouais. Falloir vous calmer, les mecs, hein. Merde, c'est pas les bons que j'envoie. Ah, j'ai vraiment pas envoyé les bons, là. Quand j'en ai vu 15, j'ai fait, bah, comment ça 15? Comment ça, ils sont que 15 d'un coup, là? Je me suis pas trompé? Si, si, je me suis bien trompé quelque part, hein. Hop là. C'est le bordel ici, hein. Oula. Basileus, là, Basileus. Après, s'il met rien, ils envoient du paquet, hein. Peut-être falloir que je me méfie, d'ailleurs. On va les déplacer au cas où ils arrivent vers Phasis. Ah, je voudrais faire un accord commercial, mais j'ai. Je suis bloqué par mes montagnes en fait. Mais t'inquiète pas, je vais me débloquer à un moment, je vais prendre un accès à la mer. Bon bah viens pas chialer, hein, vu le nombre de fois où t'es allé chez moi, toi. Tu chiales parce que je suis chez toi une fois. Ok. Un grand hôtel de Toutatis. Voilà, volons. Bon à manger, bon de la nourriture. Ah attends, je crois qu'ils ont pris Phasis justement. Non? Ah non, je me suis trompé. Ou alors ils ont repris hein, déjà. Ou alors ils se l'ont fait reprendre. Plutôt, ouais, dans ce sens-là. Pacte de non-agression, Sparte. Ça me va, je veux pas me le mettre sur le dos de suite. Un jour je pourrais, mais là, de suite, non. Oui, allez. Non. Regardez, ok. S'il vous plaît, population. Ok. Ouais, il meurt de faim. Mais je viens en tant que sauveur. Imaginez, vous mourrez tous de faim là. Par contre, ma question, c'est, je crois qu'il y a des troupes dans le coin. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont et ça m'inquiète. Voilà. J'ai senti comme un petit os se craquer là. Oh, 5000 au pillage. Ouais, je peux pas résister les mecs. Hein. Veuillez pardonner mes péchés. Là 5000 au pillage, je peux pas dire non. Surtout que je rase, on n'a pas la même culture, donc qu'à faire. Hop là! Et lui, je vais l'emmener voler de la bouffe par là. Bon, ma question c'était. Il y en a un là. Et là, faut que je m'en méfie. C'est pour ça que je rapproche ces troupes. Ici, je suis bien. Peut-être falloir faire attention à Syrac. On va voir ce que ça donne. Bon, absolument que je pense à y regarder le tour prochain. J'ai pas vu Cimérien. Ils ont joué. Ils ont pris Phasis. Ça, c'est excellent pour moi parce que si j'arrive à reprendre Phasis. Je me mets vraiment très bien.
Non, même pas besoin d'échanger, en vrai. Ouais, tranquille, Bilou. Ouais, quand même. Je l'ai rasé, je l'ai pillé, je l'ai rasé. Je crois même que j'ai pillé et rasé celle-là aussi. Oh, l'ordre public. Oh, ça va. C'est un peu bancal, mais pas trop à se plaindre. Vu ce qui s'est passé. Et on est correct, hein, quand même. Allez, Progia. Ouais, tiens. Hop. On n'est pas trop mal en plus en revenu là. J'ai plus spécialement besoin de piller. Trop, trop. Et pas au galop. Bah, j'ai besoin de trop piller. Eh. Je l'ai vu gros comme une maison, ça. Je l'ai vu gros comme une maison. Je vais pas avoir la vitesse nécessaire. Ah, peut-être avec lui, hein. Voilà, ce serait loin. Oh yes. Ça, j'ai eu de la chance. Gros comme une maison, j'ai eu de la chance, par contre. Je peux vous l'assurer. C'était pas prévu que... C'était pas prévu de base qu'il puisse arriver en un tour, mais j'avais pas prévu non plus de pouvoir y aller en un tour. Donc... Un double imprévu... Bon, ça s'annule. C'est comme plus un moins un, ça s'annule. Là, il va se retrouver un peu comme un couillon, parce qu'il va devoir faire demi-tour. Mais il va peut-être aller à... Non. Ponte, qui veut que je l'aide à attaquer? Non. Ah, yes. Ah, j'ai du bol. Je vous explique. En développement militaire. Là. Ah. Il était par là. Il avait deux choix. Enfin, on va dire deux choix principaux de trajet. Enfin, trois choix principaux de trajet. Soit il faisait demi-tour. Pas très très grave, mais j'aurais pas pu attaquer, mais ouais, encore. Soit il allait vers Samandar et il me foutait le zbeul. C'était un peu chiant. Ouais, je te vois, toi. Soit il allait par là et il se mettait pile entre trois villes et les trois sont. On les garnisons, sachant que là, je compte ça comme ayant une garnison. Maintenant. Que là, je fais d'une pierre beaucoup de coups. Je prends l'entièreté du Caucase. Je ferme l'accès en plus au nord. Je prends la dernière ville des Cimériens. Ah, je me mets vraiment bien. Hein. Là, il a pas grand chose. Pas grand chose. Il a une grosse troupe. Juste falloir se méfier là, un tour et après ce sera bon. Et je vais même essayer de la tirer dans un piège. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Je vais pas trop m'approcher. Je vais rester sur la route principale. Et je vais essayer de la tirer. D'accord, il a pas la portée là. Je pense pas. Au pire, c'est pas très très grave. En marche forcée, il est à la portée, mais pour le reste, je pense pas. Bon, on verra bien. Hein. Déjà, où est-ce qu'il veut aller? Ici, ce serait le plus difficile. Ça serait vraiment compliqué qu'il vienne m'embêter ici parce que j'ai des vieilles troupes. Et ce serait plus dur à défendre. Le reste, je suis plutôt confiant. Alors est-ce que j'ai... Ouais, j'ai un jeune. Une jeune, pardon. Excusez-moi, madame, mademoiselle. Voilà, faites des gosses, s'il vous plaît. 26, un peu vieux. 22.
Ça reste raisonnable. Voilà. Faites des gosses. Il y en a besoin. Alors, où est-ce qu'il va aller? Il est parti vers le nord. Il y en a un au sud là que je vois. Il y en a un qui est parti au nord. Ça me va. Là, il est en marche forcée, mais il va pas pouvoir faire grand-chose. Lui. On va le couler. Quelques esclaves. Et lui, je vais aller le chasser, ou alors du moins faire semblant de le chasser. C'est jamais qu'il recrute trop de mercenaires qui me prennent Tanaïs. On verra, on verra. Et là... Ah ouais non, il a une baliste. Ah, il a une baliste et j'ai pas de... Et j'ai pas de cavalerie. Yes, j'ai de la cavalerie. Donc là, je devrais pouvoir bloquer le chemin. Je peux bloquer l'accès là et je préfère me battre dans une position de fort que autre part. Les autres troupes pas très très intéressantes. Bientôt tu vas commencer à voler un peu de bouffe. Oh d'accord, il stoppe contre les Suèves. Je peux faire un accord commercial avec qui? Ouais. Toujours les mêmes. Toujours les chieurs de service. Alors, on va voir ce que va donner ce que ça va donner pour les Cimériens. Il est passé, il attaque la ville. Hein. Il est passé, il a passé mon fort alors que le fort c'est censé bloquer. Il attaque la ville. Oh mais tranquille. Oui. Comment dire? C'est très logique. C'est très très logique. Allez, donne-moi tes esclaves. Là, comme je disais, bah, il peut pas faire grand chose. Ah ouais. Il peut vraiment pas faire grand chose. Il est en guerre contre le royaume de Tilis. Ah non. Ça, je suis pas d'accord par contre. Ça reste mes frères. Industrie. En hiver. Ah non, non, pas tant maintenant. Ah oui. Il va pas rejoindre la Confédération, c'est dommage. Je vais mettre un coup de pression déjà sur les pontes là. Voilà, s'ils arrêtent pas leurs conneries là. Voilà. Là, le fort le moins utile que j'ai pu voir depuis longtemps. Voilà. Et on a entendu le petit bruit, il n'y a plus de Cimériens. D'ailleurs, tiens, toi, tu vas retourner en Kria, tiens, tu vas retourner à la capitale. Oh, j'ai du pognon. Pour une fois. Plaisir. Pas tous les jours. Oui, c'est industriel ici. Je vais juste aller prendre Soloka et Olbia. Non, on n'en parle plus. Ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier pour la Bactrie, j'avoue que...
Pas pouvoir faire d'accord commercial m'embête vraiment beaucoup. D'accord commercial. Un accord commercial, ouais, j'en sais rien. Ah non, des accords commerciaux, je peux pas en faire plus. Donc, ici, ouais, ça, c'est très bien, ça. Ici, je vais faire pareil. Surtout que j'ai une bonne production de bouffe, là. Il meurt pas de faim, ok. Intrusion. Comment ça, intrusion là? T'as rien à foutre là. Hein. Ah non, c'est moi, merde. Ah, j'ai rien à foutre là, oui. En effet. Non, mais c'est une petite erreur de jugement, d'appréhension des distances en fait. Ça arrive à tout le monde. Hein. Coucou. Money, money, money. Ils sont riches ces barbares. Tu me diras, je suis moi-même barbare. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Tac. 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 On a dit que c'était full revenu agraire ici. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, un faon. Honneur le faon. Honneur le faon. Je vous demande pas de devenir vegan, je vous demande juste de l'honorer. Honorez donc cet animal. Magnifique. Est-ce que j'en ai spécialement besoin ici, hein? Je pense pas. Je pense en avoir plus besoin à terme par là-bas. Ils sont bien étendus, hein, tout ce qui est ponte, etc. Hein. C'est rigolo. Toute façon, je verrai avec le royaume de Tilis et je lui dirai. Ça t'intéresse que je t'aide contre les pontes? Il me dira. Oui! Il me dira, oh, mais avec honneur! Je lui dirai, oui, t'inquiète, avec honneur. Ça avance pas vite, hein. Ouais. Leur route, là, les pontes, c'est pas ça, hein. Ils savent faire des ponts, mais les routes. Ouais, on vous l'a jamais fait, celle-là, hein. Ouais, j'ai encore perdu un général. Deux. Je vais en mettre deux. C'est exactement ça. Ça devrait le faire pour tour d'après. Hop là, ouf, ça coûte cher putain. 3100 là. J'ai que des pilleurs lourds, des frondeurs. Des pilleurs lourds et des frondeurs pourris. Grosso modo. Voilà. Et là, je suis pas mal en vrai. Hein. Regardez là, j'ai juste ça là et on aura 5 régions. Dès que je prends le BIA, ouais, les 5 régions quoi. Tout pile! Rien d'autre, rien de plus, rien de moins. Pacte de non-agression. Non. M'intéresse pas. J'ai un pacte d'agression à te proposer. Au contraire. Ah, Rhodes.
Oui, je m'en fous. Ah bah j'ai perdu mon chef. Ouais, j'ai perdu un roi, un général, un noble. Allez, cheval en 3. Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial. Je peux l'up. Ouais. Bonjour. Voyons prendre cette région. Comment ça, non? Bah si, regarde. C'était un peu buggy, hein. Ah, ils sont par là-bas encore. Ouais. Ah oui! Ah ouais! Ça. Je sais pas si je peux leur proposer un petit coup de paix là. Oui. Parce qu'en vrai, le reste m'intéresse pas. Hein. J'ai pas envie d'aller en. Sarmatia, etc. Voilà. Je suis en train de penser à quelque chose. C'est que eux, là. Je les enverrais bien là-bas, en fait. Défendre, faut bien. Et toi, va sur Ponte. Voilà, on est bien là, c'est parfait. Qu'est-ce que vous en pensez là? 5 provinces en entière. Ah oui, en plus, je peux faire un édit. Bon, on va faire d'imposition. Ici, oui, ici, ça grandit encore. C'est pas très très. Pas très très grave que de garder celui-là. Ensuite, c'est là où va falloir être bon. Là j'en ai une, deux, trois. Je pense avec deux troupes je pourrais le faire. Mais là j'en ai là. Donc, je vais envoyer une à Sarmazota. Voilà, mauvaise idée. On va pas aller énerver les Spartes de suite. Spartiate, on va pas les énerver de suite. Hein. Oh, ça coûte cher. Oui, lui, toi tu peux parce que tu es une personne seule, donc c'est pas trop trop un problème. Par contre, 3000 hommes, bah comment dire, c'est un peu voyant quoi. Disons que tu te fonds pas dans la masse. Tu es la masse. Hein? Non, je dis, oui, donc je disais, oui, tu es la masse. Bon, et une masse ne se fond pas. Deux enfants sont nés, très bien. Ouais, oui, c'est très bien tout ça. Miaou, miaou, miaou. Lui, il est vraiment malin, là, il bloque le passage de la mer Noire, lui. Ou alors il a fait le gourmand et il vient de se faire fumer. Une mordine, et merde.
Pourquoi je vais par là? Parce qu'en général ce sont les plus jeunes. Et j'ai moins à les changer souvent. D'habitude. Ouais, fais attention toi quand même, parce que tu risques de te faire défoncer à un moment. Ça va pas te faire rigoler ça. Et moi non plus d'ailleurs, parce que... J'ai des plans bien, bien définis là. Ah ouais déjà. Vache. M'intéresse pas tout ça. Hein. Si je faisais ça. Je vais faire... Encre? Non. Exercice d'infanterie. On va pouvoir améliorer encore plus nos armes et armures. Ah. Ouais, c'est l'hiver, c'est normal. Oui. Par contre, j'ai que... Ouais, j'ai que 3 armées. Hein. Pour 5 provinces, c'est pas terrible. Faut dire, j'ai pas beaucoup développé mes technos civils. Par manque de thunes. Et comme je manque de thunes, j'ai pas d'armée. Tu vois, c'est le cercle vicieux un peu. Mais bon, on va aller chercher des thunes là où on en a. Hein. C'est-à-dire chez les pontes. Ouais. Waouh, ah oui. Ah ouais, faut vraiment développer là dans le coin. Surtout que ça va me rapporter ici à terme. Allez, on arrive bientôt. Je pourrais vous aider plus. C'est moi ou Apanticapom, il est totalement bloqué, il a pas avancé là ce tour-là. Pourquoi ? Oh non. Ah c'est ça. Il a pas voulu avancer. Ouah, surplus de population à deux endroits là. Ah oui. Et mon espion, tu vas aller ici. Ah Mazia. Voilà, très très bien. Et toi, tu vas aller là. Je sais plus. Ah oui, non. Toi, tu vas aller en défense, tu vas aller là-bas. Je crois qu'avec le pont, on s'entend moyen là en ce moment. Ah, je crois qu'il m'aime pas du tout là. Oh la vache. Ah ouais. Alors, j'augmente mes revenus. Mais... Ouais. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement aller taper sur le pont. Je vais prendre ces villes côtières, là. Enfin, c'est côtière et pas côtière, mais les villes du nord. Et j'ai bloqué le passage au sud. Pour... Et au sud, je vais aller les piller pour me faire un peu de pognon. Voilà, ça me rapporte autant, c'est vrai. Voilà, on n'est pas trop mal. Ici, je bloque les potentiels envahisseurs. Ouais, je peux améliorer mes troupes, surtout le là. Surtout le. Putain, ils ont tapé des gens, eux, par contre. Ici, pas besoin de plus pour l'instant. Il faudrait comme une troisième force. Bon. Et là où je sais pas trop ce qui va se passer. Je sais même pas du tout ce qui va se passer. Ok, bon bah déjà j'ai perdu un autre DG de mes généraux, ça c'est... On sait ce qui s'est passé. Ouais, toi tu voles la nourriture, c'est bien.
J'ai pas ce qu'il faut. Là, j'ai pas l'argent nécessaire. Donc, on va lever une nouvelle troupe. Deux nouvelles troupes. Première Amazaka. Faire quelques frondeurs. Ouais, je vais lever une armée complète. Oh, ils meurent de faim, les pontes. Ah, c'est bien, il faut que je prenne mon temps, là. Prendre mon temps, ils vont subir des pertes. Aïe. C'est très 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 bien. Non, là j'ai pas ce qu'il faut. Voilà. Esclave, esclave, ça coûte toujours cher là. Un peu de noble cavalerie. Ça coûte une blinde. Là, ils ont de la perte, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Puis il a même recruté des mercenaires. Bah dis donc, il a du pognon, lui, hein. Pourquoi je suis en plein milieu, là, moi? Oh la vache, j'ai perdu 3... Trois nobles, eh oui. C'est pas une pensée, ça. Je suis en train de me dire, c'est bizarre. Je peux recruter tant que ça. Oui, bah non. Non, 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 non. Même pas que je peux en recruter tant que ça, c'est que. On n'avait pas recruté des bons. Là, on est bien. En ordre public, il n'y a que là où on n'est pas encore trop ouf. Mais ça va monter petit à petit. Ça, c'est très, très, très bien. C'était pas prévu du tout. Fais chier. Ah, fais chier. Faut dire ce qui est. Hein. Peut-être avoir besoin de lever des mercenaires. Déjà, eux, je les rapatrie vite, vite, vite à Sirac. Et eux, direction Samandar. En espérant qu'ils viennent pas m'embêter de suite parce que c'est vraiment pas le moment. Ils auraient raison de le faire. Ok. Ah, j'ai des mercenaires. Ah ouais, oh c'est bon. Ok. Après, au moins ici, je sais que j'aurai deux troupes. Que j'ai de quoi recruter quelques mercenaires en urgence normalement avec mes revenus actuels. Je vois pas, ils préparent un débarquement surprise ou quoi. Mais on va passer par là quand même. Après, tu me diras, il a arrêté d'essayer de me faire des propositions la Bactrie donc. Je sais pas.
Non, j'en vois pas, hein. Rien de rien. En même temps, avec les nuages, là. Qu'est-ce qu'il me veut? Oui. T'as 26 ans, toi. Ah oui. T'es marié, hein. Non? Ah bah merde. Pas de bol. On va leur allouer un entourage quand même. Du moins ceux qui peuvent. C'est vrai que par exemple, pour augmentation de taux de recherche, c'est bien quoi. Ordre public. 76 ans. Eh ben dis donc, t'es pas la dernière de ta génération, mais vous êtes plus que deux, hein. Qui sera la dernière, le dernier, j'en sais rien. Attends, je peux le marier maintenant? Ah non, c'était l'autre. Ça, je préfère, tu vois. Encore deux. Oh la vache. Ah, voilà. Là, je fais une embuscade. Et là, je me montre bien. Ce qui fait que là, il devrait pas venir à Sirac. Et il va se dire, oh, c'est plus près, c'est Samandar. J'espère qu'il va se dire ça. Rien n'est moins sûr. Ouais, s'il part par là, je peux intercepter avec, avec mes loups hurlants. Là, au niveau des troupes, elles sont recrutées. J'ai deux belles armées là. On va voir ce qu'ils vont décider de faire, les massagettes. Qui me font bien chier d'ailleurs. Oui. Ne va pas trop vite en besogne, mon ami Rob. Faction détruite. Problème de Tis. Oh non, mon allié. Faut chier les pontes. Je vous vengerai, les gars. Je vous vengerai. Pas grand monde, là. Eux, ils vont vouloir aller à Tanaïs. Je vais voir si je peux les intercepter, là, par là. On est 16, ils sont 17. Ah. Après, j'ai quand même des frondeurs. Ils sont blindés aux munitions. Ça pourrait le faire. On va voir, sinon je recruterai du mercenaire. Pas bien grave. Ah, eux ils se sont fait au vol de bouffe, dommage. Ils peuvent pas se marier lui. Voyons voir quelles seront leurs décisions. Mais d'accord, là. Là, on m'a vu. Et on m'a saboté. Et là-bas, on m'a vu. Et là-bas, on m'a vu aussi. Et là, on m'a saboté deux fois. Tiens, allez, hop, putain. Ah non, bah là, le sabotage, il a pas marché. Hein. Par contre, c'est chiant. Là, il s'enfonce dans les terres comme ça. Ça fait perdre un nombre de tours précieux. Ah blablabla, oui. Bon. En chemin. Votre prochain ordre, la surprise sera notre avantage. Toi là, il y a une belle route. Et là, il y a des vieux chemins de terre boueux dégueulasses. Et même lui, il s'est fait... j'ai pas compris.
Par quoi, j'en sais rien. Oh, tu sais quoi, sinon je me fais pas chier. Hein. Je prends des mercenaires, je leur envoie direct sur la tronche à Gélonus et à Sarai. Ok, bon, on va mener la bataille sur le champ. Là, le but, ça va être de jouer avec nos munitions. Pendant que... Que mes troupes de corps à corps seront en train d'absorber les charges. C'est quoi cette carte? Ah, elle est pas terrible. Ah, je suis pas fan là pour ce type de défense. C'est pas bien grave. Et là, je vais en mettre deux là. Je vais en mettre deux là pour absorber les tirs. En vrai. Oui, voilà. Pourquoi s'embêter? Là derrière. Je mets mes frondeurs. Si jamais il s'approche, il tire ailleurs. Et là tout ça je sais pas trop quoi en foutre. Je mets là. Mon général. À peu près au milieu. Et ici, membre de tribu. Bloquer le passage, on n'est pas trop mal. Là il y a quoi, le noble ancien des steppes? Ah oui, oh, putain, merde, ils vont charger dans le... Merde, ils vont charger dans le tas, les cons. Alors, changement de plan, parce qu'il y a des nobles anciens des steppes, et à mon avis, ils vont vouloir charger dans le tas. Oh, tu me diras, c'est de la troupe pourrie légère. Juste peur que ça atteigne mes frondeurs, j'espère pas. C'est quoi par écrit de conscience? Par écrit de conscience, je vais emmener deux troupes là-bas. Il y a du monde qui vient par là-bas. Ok, ça me va. Donc vu qu'il y a tout le monde qui vient par là, en vrai, on peut même ramener un peu plus de troupes. Je vais en laisser deux, là je vais ramener les troupes. On laisse une ici. Une là, là ça va faire quoi là? Il va faire demi-tour, hein, normalement. Pas la portée là? Ah non. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je sais pas trop ce qu'ils font. Fais chier, j'ai pas la portée là. Voilà, je vais la voir. Les mecs, on se réveille là. Et les frondeurs? Vous voulez pas fronder un jour? Qu'est-ce qui... Bah voilà! Il était temps, hein! Ah, oui, quand vous voulez, en plus, ça fait mal. J'ai du mal à voir où est-ce que je les place à cause de la neige, là. Ok. Je vais repositionner. Je vais reculer un peu mon général. Ils se prennent des tirs là. Quelques-uns, ouais.
Ça charge là, ça charge, oui ça charge. Ah ouais quand même. Prêt pour la bataille. Homme libre. J'ai une unité là, elle prend cher. Je vais la renforcer. Allez frondeur, faites votre taf. Et des unités à pied? Ah ouais, des unités à pied, dis. Vache. Ils tirent vers où? Par contre j'arrive pas à voir où tirent les frondeurs, c'est ça merde. Ouais, il tire plus loin derrière. Ça a l'air. Ok, là il se barre avec son, ses chevaux là. Homme libre en relais. Comme l'archer à cheval. Ah. Ils tiennent pas trop mal hein, les flèches, en tout cas les hommes libres. Là il y a un feu nourri assez constant, c'est intéressant. Les jeunes haches là vont se barrer, c'est très bien. ...76, 116, 80, 80, 80. Sachant que la majorité font 80 de taille, c'est vraiment pas mal hein. On les fera se retourner plus tard, c'est pas très très grave. En vrai, ils prennent de bonnes pertes. Hein. Avec tous les projectiles là qui s'échangent. Une charge? Non. À mon avis, ils s'approchent parce qu'ils arrivent pas à tirer, ils sont trop compactés. Ouais, ça leur picote le moral. Hein. Tu m'étonnes. Ah, les frondeurs là, on voit, hein. Regardez, il y a les munitions là qui partent. 38 munitions, ils en ont utilisé la moitié presque. Calculez vite fait. Un changement de cible, je sais pas vers où, mais changement de cible. Ah, par là-bas. Les jeunes haches, ah, elles ont reconstitué. Elles se sont dit, vas-y, on revient. Ils vont se prendre deux frondes, ils vont dire, ah, c'est bon, on se barre, on se barre. Ah, c'est un général en plus, quand il va tomber, lui, ça va faire un de ses coups au moral. Déjà, t'imagines, tu vas avancer là, t'as une montagne de cadavres. Noble archer à cheval, ouais, ils sont dangereux. Ils sont lourds. Une charge, ça peut quand même faire très mal. D'ailleurs, au cas où. Nous sommes des Gaulois. Courez, mon sang. On va les renforcer un peu. Ouais, ils ont plus de morale, ils ont plus rien. Et encore ce général là, à la rigueur, qui les fait un peu tenir. Mais... Dès qu'il se sera fait fronder la tronche. Ils sont deux. Oh la vache, ils tiennent. ...150, 200, 200, 170. 200, 150. Eh ouais. Ouais, là-bas ça fuit. En général, il a fui. Tiens, si je l'ai laissé se reconstituer et revenir. Je vais en prendre deux là et je vais les faire tirer là-bas. On accélère.
Ils sont reconstitués là, peut-être? Ah non, ils ont reconstitué et refus direct, je crois. Ah non. Ils sont en déroute. Là, ils devraient. Oui, ils commencent à envoyer quelques fronts. Ils ont même pas perdu un homme, là, ils se prennent 2-3 billes. Ils en sont déjà malades, quoi. On a perdu 3 hommes. Waouh. Ah, il charge? Ah, ils ont essayé de charger, ils ont peut-être plus de munitions. Pendant ce temps-là, c'est eux qui ont reconstitué, je crois. Il est où, il est où, il est où? Par là. Ils sont là. Le général, il est revenu. Ils se reprennent des petites. Ils se reprennent des pierres là et ils sont déjà pas contents. Hein. Je peux vous dire là, ils vont être plutôt déçus d'être passés. Hein. Le général a fui. Un dernier là, lui? Ah, ils sont où? Ah, il est revenu! Je pensais pas. Bon, allez, on accélère. Tiens, on continue juste histoire de faire un peu de perte là vite fait en plus. Voilà. C'est plutôt correct. C'est plutôt correct, vu la tronche de mes unités. On a 1, 2, 3, 4, 5 troupes qui ont vu, qui ont rien vu. Tout ça, ils sont restés à distance. On a 2 qui ont bouffé comme il fallait, par contre. Hein. Ils ont eu pas mal de pertes. Mais. En vrai, ça reste. Une bonne victoire stratégique. Et. Tactique. Ça me permet, je l'espère, de m'enfoncer dans leur territoire. Voilà. Et de 1. Et de... Oh non, il manque un tout petit peu en portée, dommage. Ah non, il manque pour portée. Et de 2. Ouais, merci d'être passé. Rester en défense. C'est une belle victoire. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup de thunes. Je vais lever une nouvelle armée. Ça peut servir, on a vu là, comme un cas là, comme celui-ci là. Disons que t'es content quoi. Ah bah je n'ai plus beaucoup de thunes. Hein? Puis on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, donc 5 provinces entièrement sous le contrôle Galat. C'est plutôt badass. Ouais, si tu veux aller. Moi, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Un grand merci à tous d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao.